Right now, I know from the papers, of course, and people there that there's a lot of rose things around the road and runabouts, and they're already decorated with the Giro stuff. And we have the president of Denmark to start the race in Herning, and we're gonna have the Prince of Denmark to follow one of the stages. So it's a big thing for sure. Toujours intéressant. C'est pas trop différent des autres années. Si on regarde la dernière semaine, c'est toujours difficile comme c'était l'année passée, l'année avant, toujours dans la montagne. Je pense que l'organisateur a fait un bon travail. Ils ont réussi les transferts. Mais à la fin, les parcours c'est quand même difficile et exigeant. C'est un tour complètement ouvert, un giro complètement ouvert. C'est très difficile au début pour les trois étapes en Danemark. Et après, vraiment, c'est très important les premiers 10 jours pour bien contrôler. La dernière semaine, c'est vraiment pour courir en grande condition. Il faut bien voir les coureurs au départ. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment un favori dans ce moment.